Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint. Ce que vous allez faire, vous allez mettre vos sujets de prière en commentaire. Bonjour. Seigneur, nous rentrons dans ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te confions cette journée. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement, tu es la fin. Nous ne pouvons rien sans toi. Papa Yahweh, nous venons te confier cette journée. Nous te confions toutes les personnes qui seront connectées à cette prière. Même celles qui ne seront pas là, Père, nous te confions les membres de notre famille. Nous te confions aussi la population mondiale, Père, dans nos villes respectives, que tu mettes la paix. Nous te prions pour la paix de Jérusalem, Seigneur. Père, je te confie nos idées, nos projets, nos faiblesses et nos forces. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Maman Marie, toi qui es notre mère, toi qui as conçu sans péché, toi, Maman Marie, qui connais les souffrances des mères, des femmes, des sœurs, et aussi des hommes. Tu connais la souffrance que les fils peuvent ressentir. Maman, nous venons te confier notre journée. Je te confie le cœur meurtri. S'il y a des hommes qui ont le cœur meurtri, qui se sentent abandonnés. Il y a des hommes qui ont commis des déceptions, Père. Maman, que tu les guérisses. Maman, Marie, je viens comme ça te demander d'intercéder pour nous auprès de ton fils. Toi qui as conçu sans péché. Toi qui es la reine du ciel. Maman Marie, nous venons te demander ta présence, ta paix. Protège nos familles, pour toutes les mamans qui vont prier pour leur famille. Nous demandons la protection de nos enfants. Nous demandons, appelez le nom de vos enfants. Nous demandons la santé mentale, l'harmonie et la paix dans nos foyers. La santé mentale pour nos maris, pour nos pères, pour nos fils. Maman Marie, que tu me donnes la persévérance d'intercession. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie,
comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Éternel, donne-nous la force pour tenir et résister contre l'ennemi. Nous prions pour les enfants Emmanuel, Boris, Colombe, Jonathan, Elie, Soraya, Pierre, Alexandre, Princesse Grace, Joyce et Goodness. Nous confions tous ces enfants à l'Éternel. Seigneur, nous prions pour la famille Agbe et pour Akuta, Agbe, Aimo. Seigneur, viens fortifier cette famille. Seigneur, viens mettre la paix dans leur maison. Seigneur, viens aussi apporter les finances. Je viens contre toute pauvreté qui a été lancée sur vous au nom puissant de Jésus. Psaume 35. Éternel, vous allez répéter, répétez juste. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Moi, vous dites votre nom. Combat ceux qui me combattent, Seigneur. Je déclare que toute personne qui vous combat est combattue par l'ange Michael au nom puissant de Jésus. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir, Seigneur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Seigneur, dis à mon âme, je suis ton salut. Je viens contre tout esprit de dépression sur vos vies. Je déclare qu'ils sont honteux et confus, ceux qui en veulent à votre vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent votre perte. Toute personne qui allait travailler contre vous, toute personne qui allait chez les marabouts, contre vous, contre la réussite de vos enfants, contre la réussite de votre mariage, toute personne qui allait vous séparer de votre mari, je déclare que la lance et le javelot les poursuit. Je déclare que la balle les atteint à l'improviste, au nom puissant de Jésus. Je déclare la honte et la confusion sur vos ennemis. Avant-hier, il y a une de mes filles qui m'envoie un message. Elle me dit, elle a une page avec beaucoup d'abonnés. Et elle a sa Decepticon qui est aussi sur ma page qui me suit. La Decepticon lui dit que, n'est-ce pas, ta page est bloquée, non? Que continue toujours de résister, tu vas voir. On va encore bloquer. Toute personne qui a bloqué votre visibilité sur les réseaux sociaux, toute personne qui allait travailler pour qu'on ne vous voie plus, nous déclarons le feu du Saint-Esprit sur ces personnes au nom puissant de Jésus. Toute personne qui allait œuvrer contre votre mariage, toute personne qui allait vous séparer, toute personne qui allait œuvrer pour empêcher que votre dot ne se fasse. Une vieille un jour me dit que voilà, il y a le troisième homme. Le jour où il devait la doter, il meurt. Toute personne qui allait œuvrer contre vous, nous avons le feu du Saint-Esprit. Nous avons le feu du Saint-Esprit. Nous avons le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Parfois, tu cherches les employés et quand tu trouves les employés qui sont bons, on peut les bloquer. On vient mettre la peur dans tes employés. On vient mettre la désobéissance dans tes employés. Toute personne qui est venue s'aimer la peur, qui est venue s'aimer la désobéissance, qui est venue lancer une boule de résistance ou encore d'impureté dans votre famille, je viens comme ça, je viens lancer la flèche du Saint-Esprit sur ces personnes au nom de Jésus. Je déclare la honte dans le camp de ses ennemis, la confusion, tout rassemblement qu'on fait contre vous. Je viens déclarer la confusion au milieu de ces personnes. Déclarer le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit trois fois. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à votre vie. Toute personne qui est partie, qui a parlé, comploté, appelé, rassemblé les gens contre vous. Je viens déclarer le feu du Saint-Esprit sur ces personnes. Le feu du Saint-Esprit sur ces personnes. Le feu du Saint-Esprit sur ces personnes. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui en veulent, qui méditent votre perte. Toute personne qui est couchée sur son lit ce matin, qui est en train d'appeler un marabout pour parler contre vous, qui est en train d'envoyer l'argent pour qu'on travaille contre vous, toute personne qui est en train de faire un voyage mystique pour aller parler contre vous, nous venons déclarer le feu du Saint-Esprit sur ces personnes. Le feu du Saint-Esprit sur ces personnes. Le feu du Saint-Esprit. Toute personne qui a ouvert sa bouche, parler contre vous, à qui on a donné des choses de lire et de brûler et de prononcer votre nom pour vous bloquer, nous déclarons maintenant que la gorge de cette personne-là prend feu. La gorge de cette personne prend feu. La gorge de cette personne prend feu au nom de Jésus. Les gens qui appellent vos maris pour parler mal contre vous. Parfois, c'est vos belles-mères. Toute belle-mère maléfique qui est mariée à son fils, qui se dit, oh, elle est venue séparer, me séparer de mon fils. Toute belle-mère maléfique dans votre vie, je déclare
Que ces belles-mères maléfiques vous laissent partir au nom de Jésus. Je viens comme ça déclarer le feu sur ces femmes. Le feu sur ces femmes ou sur ces hommes. Toute personne qui œuvre contre votre mariage. Même si c'est votre nourrice à vous. Même si c'est de votre côté. On a tenté de vouloir vous séparer de votre mari. Je viens lancer le feu du Saint-Esprit sur ces personnes. Le feu du Saint-Esprit sur ces personnes. Le feu du Saint-Esprit sur ces personnes. Au nom de Jésus. Je vois les maux de tête. On a lancé les maux de tête sur vous. Les maux de tête. Tu es dans la dépression carrément. C'est comme si sa tête va sauter. Et ce sont les flèches. Ce sont les flèches de l'ennemi. Toute personne qui a œuvré contre vous, toute personne qui a lancé les maux de tête sur vous, pour vous faire douter, les personnes viennent pour vous embrouiller dans la nuit, dans vos rêves. Je déclare le feu de cet esprit sur ces personnes, le feu de cet esprit, le feu de cet esprit, au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi. Toute personne, si c'est des gens qui ont fait les réunions familiales pour parler contre vous, elles font les groupes WhatsApp pour parler contre vous, pour dire, wow, vraiment, vous voyez son cas, il faut qu'on fasse quelque chose contre elle. Je déclare, toute personne qui a voulu causer votre chute, toute personne qui a voulu causer votre chute, qui est venue lancer les remèdes dans votre magasin, qui est venue lancer les remèdes dans votre magasin, les maladies qu'on a lancées sur vos employés, je viens maintenant déclarer le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit sur l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Les personnes qui sont venues lancer les remèdes que vous avez piétinés, on est venu lancer les remèdes à l'entrée de votre magasin pour que vous venez piétiner, vous tombez malade. Je déclare votre guérison. Je déclare votre guérison. Tout fétiche, tout talisman qu'on a fait, qu'on a façonné à votre image, toute poupée qu'ils ont mis sur les autels maléfiques et ils viennent piquer ces poupées-là pour vous donner les maladies. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ces poupées prennent feu maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que ces incantations sont annulées au nom puissant de Jésus. Je restaure vos genoux. Les gens qui ont lancé l'arthrose sur vous, l'arthrose sur vos parents, je restaure vos genoux au nom de Jésus. Je restaure vos idées. J'enlève la confusion de vos idées au nom de Jésus. Si tu tombes sur cette vidéo, tu étais perdu. Je déclare que le Saint-Esprit te soulève. Il te soulève de ce lit de mort. Il te soulève de ce lit de mort. On t'avait déjà laissé là-bas pour morte. Ça fait 6 mois que tu avais l'argent. Aujourd'hui, tu n'as même pas 5 francs. Aujourd'hui, tu supplies les gens pour qu'on te donne de l'argent. Je te soulève de ce lit au nom puissant de Jésus. Je viens redonner de la vigueur à ta vision. Je redonne de la vigueur à ta vision au nom de Jésus. Je vous sors de tout trou maléfique dans lequel ils vous ont planté. Maman Marie, toute femme dans son couple qui est en train de souffrir, toute femme dans son couple qui est en train de souffrir, on t'a déjà mis à terre, tu te lèves. On te fait tomber, tu te lèves. On te fait tomber, tu te lèves. On te fait tomber, tu te lèves. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, je retourne toutes les flèches de cette personne-là. Je retourne à l'envoyeur. 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 Au nom de Jésus. Amen. Toute maladie qu'on a lancée sur vous pour décourager votre mari. Tu pars de maladie en maladie. De maladie en maladie. Ton mari est même fatigué. Et ils ont fait le genre que quand vous vous mettez dans la même pièce comme cela, vous ne pouvez pas être ensemble. Problème! Problème! Oh, ange Michael. Vous devez prendre l'eau aujourd'hui. Vous priez, vous versez 3 pincées de sel dans l'eau là. Vous lisez le psaume 35 si vous entendez les lignes. Vous lisez ça. Vous parlez que tout esprit d'inimité qui est dans ma maison, qu'on a mis entre moi et mon mari, je verse l'eau aussi comme ça. Je déclare la paix et l'amour. Et en préparant sa nourriture, l'eau que vous allez utiliser pour préparer la nourriture avec, vous lisez le psaume 35 ici sur l'eau là. Vous direz que tout ce qu'on a semé dans ton cœur, vous prononcez son nom pour nous séparer. Qui que ce soit, quel que soit l'esprit de Jézabel qui est venu entre nous, par cette nourriture que tu vas manger, je mets la paix dans ton cœur. En mettant le sel dans la nourriture, tu dis que j'apporte le goût dans notre relation. J'apporte le goût dans notre relation. Toute personne qui a séparé vos relations, toute personne qui allait prier contre vous, toute personne qui allait mettre l'esprit d'inimité entre toi et ton mari, je déclare la restauration de votre amour au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration de votre amour au nom puissant de Jésus. De la même façon que l'eau éteint le feu. Toute personne qui est venue mettre le feu dans ton cœur par rapport à ton mari, tu lui parles très mal. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te retournes, tu lui parles très mal. Donc, il supporte seulement, il fait seulement le club santé. Toute boule de feu qu'on a mis dans ton cœur contre ton mari, je viens verser le feu. Je viens verser maintenant l'eau. L'eau pour apaiser. Je verse l'eau pour apaiser. Que la parole de l'Éternel apaise ton cœur. Je viens enlever les troubles dans ton esprit. Je viens enlever les troubles dans ton esprit. Le doute. On a fait du doute de ton mari. Tu ne crois plus. Quand il te dit la vérité, tu ne le crois plus. Je viens restaurer l'image de vos maris vis-à-vis de vous. Au nom de Jésus.
Psaume 35, verset 6. Verset 5. Que tous vos ennemis soient emportés par le vent, comme la balle. Que l'ange de l'Éternel chasse vos ennemis. Car sans cause, ils vous ont tendu un filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour vous ôter la vie. Toute personne qui a œuvré pour que vous ne puissiez pas avancer. Toute personne qui a œuvré pour que vous ne partiez pas rejoindre votre mari dans le pays où il se trouve. Je déclare que je ferme les bouches de ces personnes maintenant. Je viens faire taire ces bouches au nom puissant de Jésus. Que la ruine atteigne vos ennemis à l'improviste, connus et inconnus. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet qui vous ont tendu. Que les anges de l'Éternel leur tendent le propre piège qui vous ont tendu au nom puissant de Jésus. Qu'ils tombent et qu'ils périssent. Et je déclare que votre âme a de la joie et de l'allégresse. Je déclare aujourd'hui que l'esprit de joie se s'abat sur vous. Au nom puissant de Jésus. Je parle à vos os. Je commande maintenant à vos os de reprendre la vie. Que vos os disent, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. De faux témoins se lèvent contre vous et ils vous interrogent sur ce que vous ne connaissez pas. Toute langue qui s'est levée contre vous, je viens condamner ces langues au nom puissant de Jésus. Toute personne qui s'est levée là parler contre vous et on ne vous a même pas encore dit, vous ne savez même pas. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur ces paroles. J'envoie le feu pour annuler ces paroles. Je viens condamner selon Isaïe 54, au verset 15 et verset 17. Je condamne toute langue qui s'est levée contre vous. Je déclare que toute personne qui s'est levée contre vous tombe sous votre pouvoir. Que ces personnes tombent sous votre pouvoir. Papa Yahweh, je déclare que tu te rappelles du bien que chacun de tes enfants a fait pour leurs ennemis. Ils vous rendent le mal pour le bien. Quand ils étaient malades, vous vous êtes humiliés. Vous avez prié pour eux. Vous leur avez donné de l'argent. Ils sont venus prendre le réconfort chez vous. Comme un ami pour un frère. Vous vous êtes humiliés pour eux. Comme pour le deuil d'une mère. Vous vous êtes courbés avec tristesse. Et quand vous chancelez, quand vous oscillez, vous bougez, vous tombez, ils se réjouissent et ils s'assemblent. Toute personne qui s'est réjouie de votre peur, de votre chute, je déclare maintenant que s'ils se sont assemblés à votre insu et ils vous déchirent sans relâche, les impies, les parasites, les moqueurs, toute personne qui grince les dents contre vous, Papa Yahweh, je déclare que ton regard se penche sur tes enfants qui t'implorent maintenant. Seigneur, je déclare que tu ne te tais plus. Nous te louons, Papa. Et je déclare que ceux qui sont à tort, vos ennemis ne se réjouissent plus à jamais à votre sujet. Que ceux qui vous haïssent ne se réjouissent pas. Que ceux qui ouvrent la bouche contre vous pour témoigner contre vous, qu'ils soient confus. Seigneur, juge-nous selon ta justice. Père, qu'ils ne se réjouissent pas à notre sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce qu'on voulait. On voulait que se sépare de son mari. Mais voilà. » Seigneur, que ce ne soit jamais notre témoignage au nom puissant de Jésus. Tout sable mouvant maléfique dans lequel on a mis, on vous a déjà englouti, je commande à ces sables mouvants de vous recracher au nom de Jésus. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de votre malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Nous rejetons sur eux la honte. Nous rejetons sur eux la honte. Que leurs enfants aient honte. Que les enfants de leurs enfants aient honte au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que notre langue aujourd'hui, ce ne sera pas pour pleurer, mais ce sera pour déclarer ta justice et ta louange au nom de Jésus-Christ. Je vous commande maintenant. Je vous commande, dites-moi, vous dites votre nom, je me lève. Selon Isaïe 60, verset 1. Je déclare que votre lumière est arrivée. Je déclare que votre lumière est arrivée. Je déclare que la gloire de l'Éternel se lève sur vous. Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur vous, l'Éternel se lève. Sur vous, sa gloire apparaît. Par la puissance de la Vierge Marie, toute arme qu'on a forgée contre vous, je déclare que ces armes sont sans effet, au nom de Jésus. Toutes blessures qui sont venues mettre sur vous, toutes parties de votre corps qui vous ont touché, vous êtes faible. C'est comme des douleurs physiques, mais c'est spirituel. Je déclare que le Saint-Esprit vient vous guérir à l'instant. J'envoie les anges de l'Éternel qui viennent vous guérir à l'instant. Au nom de Jésus.
Je déclare que vous n'allez jamais faiblir. Je déclare que vous ne tomberez pas. Je déclare que vous ne tomberez pas. Il y en a parmi vous, vous avez souffert avant de vous marier. Vous avez souffert avant d'avoir l'enfant. Je déclare que vous n'allez pas perdre cet enfant. Cette grossesse-là, je déclare que tu ne vas pas la perdre au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne perdras pas ton foyer au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne perdras pas ton foyer au nom puissant de Jésus. Toute personne, toute nation, tout royaume qui ne te serve, qui ne refuse de te servir, je déclare qu'ils périssent. Toute personne qui veut te mettre à terre, je déclare que ces personnes périssent. Ils vont venir s'agenouiller devant toi pour te demander pardon. Et s'ils ne veulent pas, je déclare qu'ils périssent au nom de Jésus. J'enlève la pitié. Je déclare qu'il n'y a plus de pitié pour eux. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant la gloire du Liban chez toi, selon le Ésaïe 60 verset 13. J'appelle le cyprès, j'appelle maintenant chez toi que ton sanctuaire soit orné, que ta maison soit ornée. Tout esprit de peur, tout esprit de pauvreté qui est entré dans ta maison, j'enlève ces esprits au nom de Jésus et je déclare que tu es glorifié. Je déclare que tu es glorifié. Je déclare que leurs enfants de vos ennemis là vont venir vous demander pardon au nom de Jésus. Les enfants de vos ennemis vont venir s'agenouiller devant vous au nom de Jésus. Je déclare que vous allez sucer le lait des nations. Je déclare que vous allez sucer la mamelle des rois. Vous allez créer des programmes, vous allez vendre des produits qui seront achetés par des millions de personnes au nom de Jésus. Et vous allez savoir que l'Éternel est votre Rédempteur, le puissant de Jacob. Déclarez avec moi que on ne peut pas maudire, vous dites votre nom Jocelyne, on ne peut pas maudire, aucune malédiction forgée contre Jocelyne ne peut prospérer. Ça c'est Nombre 23, verset 23. Aucune malédiction forgée contre Rolande ne peut prospérer. Aucune malédiction forgée contre Ghislaine ne peut prospérer. On ne peut pas maudire Gloria. On ne peut pas maudire Joséphine. Aucune incantation ne peut marcher contre moi et ma famille, moi et mon mari, moi et mes enfants. On n'entendra plus parler de violence dans mon pays, ni de ravages et de ruines. Je déclare que les murs de ma maison sont appelés des murs de paix. Dites cela trois fois. Je déclare que les murs de ma maison sont appelés murs de paix. Je déclare que les murs de ma maison sont appelés murs de paix. Je mets la paix dans mes murs. Toute personne qui entre dans ma maison entre avec la paix. Même si cette personne est envoyée par le diable. Même si cette personne a été envoyée pour déposer quelque chose dans ma maison. Je déclare que quand cette personne-là entre dans ma maison, ils oublient, ils perdent la mémoire au nom de Jésus. Innocent, méchant, je déclare sur toi la paix. Aucune malédiction forgée contre innocent, méchant ne peut prospérer. Aucune malédiction forgée contre Florence et Meka ne peut prospérer. Reine Sandra, on ne peut pas te maudire. On ne peut pas maudire ton foyer au nom de Jésus. Toute Jézébel, toute femme à l'extérieur qui veut détourner ton mari, qui veut te briser ton foyer, au nom puissant de Jésus, nous venons mettre la confusion dans son foyer à elle-même. Toute personne qui avait déjà détourné les finances de votre maison, qui avait déjà détourné les idées de votre mari, nous déclarons maintenant le feu du Saint-Esprit sur sa maison, le feu du Saint-Esprit sur la maison de cette femme, le feu du Saint-Esprit. Tout hôtel où elle est partie, elle a donné votre photo, elle a donné votre habit, elle a donné la photo de votre mari. Toute personne qui a voulu entrer dans votre foyer pour vous séparer. Genèse 2, verset 24. Le Seigneur dit qu'aucune personne ne vient se mettre entre l'homme et femme. L'homme quittera son père, sa mère, et va se joindre à sa femme. Que toute troisième personne qui est venue entre vous deux, nous venons envoyer le feu du Saint-Esprit sur cette personne. Au nom de Jésus. Nous commandons à sa peau de prendre feu. Nous commandons à sa peau de prendre feu. Que son corps s'enflamme au nom de Jésus. Toute personne qui a parlé contre votre foyer. Que ce que le Seigneur a uni, que personne ne vienne désunir. Déclarer que le Seigneur m'a uni à telle personne. Je déclare que personne ne peut nous séparer. Même si votre foyer est déjà tombé en pièces, je viens déclarer la restauration. Pendant trois jours, jeûnez trois jours, 6h, 18h. Vous priez le psaume 35 sur l'eau, là, vous versez dans vos maisons. Je ne peux pas vous dire le nombre de témoignages que j'ai eu sur l'eau aussi. L'eau aussi que je vous dis.
Hier encore, une autre me dit qu'elle a fait l'eau, prier, verser dans la maison. Elle dort, elle voit comment les gens se cassent, ils se pressent pour sortir de la maison. Dans le rêve, on me sentait sortir par la fenêtre. On dit qu'il y avait deux hommes et une femme, où il y avait deux femmes et un homme. Dans le rêve, qui sort de sa maison. Tout locataire qui est non invité dans votre maison, même si c'est les précédents locataires de votre maison qui ont laissé leurs esprits, leur totem, je déclare qu'ils libèrent votre maison aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Vous priez sur cette eau-là, vous versez ça au centre de la maison. Vous versez, vous commandez qu'ils sortent. Le Seigneur me met beaucoup à cœur les mariages qu'on est en train de séparer, beaucoup. Toute femme qui a fait l'enfant avec votre mari dehors, et elle est en train d'utiliser cet enfant pour faire le chantage à votre mari, que vous ayez des enfants à la maison ou pas, je déclare que l'image de cet enfant ne va plus venir séparer votre foyer au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur vient accorder la paix dans le cœur de cette femme, mais que cet enfant ne va pas séparer votre foyer. Au nom de Jésus. Tout enfant qui a été fait dehors, qu'on utilise pour faire pression à votre mari, je déclare que cette pression est détruite au nom puissant de Jésus. Que vous connaissez ou que vous ne connaissez même pas. Toute Jézabel qui a été attirée votre enfant, votre femme, votre mari dehors, ou votre femme dehors. Que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Vous savez qu'il y a toujours des Jézabel là que tu connais, que depuis 15 ans, la femme la dérange ton mari. Et pas, elle revient, et pas, elle revient. Je viens écraser la tête de tous ces pans. Tous ces pans, selon le psaume 91. Nous, j'écrase la tête, mettez les pieds au sol comme ça. Là. Les mettez le pied au sol, vous écrasez. 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 Toute femme qui a piégé votre mari a fait l'enfant avec lui dehors. Et elle est en train de vouloir vous séparer. Je déclare que votre mari reprend ses esprits. Les engagements qu'il a fait vis-à-vis de vous, il se rappelle de ça. Au nom de Jésus. Il se rappelle de ses engagements vis-à-vis de vous. Toute personne qui a enfermé l'intelligence ou les émotions de votre mari dans une bouteille, il ne te reconnaît plus. Quand il te parle comme s'il parlait une bonne. Même toi-même, parfois, tu ne peux pas comme si tu parlais à un de tes employés. J'enlève l'inimité entre vous et votre mari. Je vais écraser la tête de tout dragon. J'écrase tout lionceau qu'on a déposé dans votre foyer. Je déclare que tout enfant qu'on a fait qui vient, les vacanciers là, les enfants de dehors que le mari a dit, oh, je veux prendre mon enfant. Et l'enfant là, en train de vouloir gâter votre foyer. Tout esprit mauvais qui est envoyé par les baby mama là, je chasse ces esprits de vos maisons au nom de Jésus. Je déclare que c'est vous qui commandez dans votre maison. C'est vous qui commandez dans votre maison. Toute réunion familiale qu'on a fait pour vous faire faiblir. Pour vous faire faiblir. Ah, tu exagères, tu exagères. Il faut prendre l'enfant de la femme là. Je déclare que c'est vous qui commandez, c'est vous qui. Je déclare la restauration de la paix dans votre foyer. Au nom de Jésus. Je mets le feu dans votre chambre maintenant. Le feu de l'amour. Je déclare que votre vie sexuelle reprend. Ça fait des mois que votre mari ne vous a pas touché. Tout serpent qui est venu dans votre lit. Toute faiblesse sexuelle dont votre mari est victime. Avant, quand il te voyait comme ça, paf! Je viens maintenant annuler. J'anéantis la tête de tout serpent qui est venu s'installer dans votre lit. Au nom puissant de Jésus. Toute frustration qui a fait que ta femme même, elle se retrouve en train de partir. Faiblesse sexuelle, voilà sa femme, ta femme se retrouve dehors. Tu te sens impuissant. J'enlève toute impuissance de votre corps, de votre esprit pour les hommes. Toute faiblesse sexuelle qui est en train de vous coûter votre foyer. Je viens vous en libérer au nom puissant de Jésus.
Je vois carrément comme un serpent qu'on a mis dans les reins de votre mari. Faites le massage avec l'huile d'olive. Massez votre bas-ventre, homme et femme. Tout myome dans votre corps, j'enlève. Tout serpent qu'on a mis dans les hanches de votre mari pour l'affaiblir. Au nom puissant de Jésus, je commande à ce serpent-là de se désintégrer. Je restaure la vigueur dans votre foyer au nom de Jésus. Je restaure votre vie sexuelle au nom puissant de Jésus. N'ayez pas honte de faire vos prières. N'ayez pas honte. Vous ne connaissez pas contre qui vous êtes en train de vous battre là. Toute femme qui a été découragée, tu avais arrêté de prier pour ton mari. Prononce seulement son nom. Prononce son nom. Comme tu prononces son nom maintenant, je redonne en toi la force pour intercéder pour lui. Je remets en toi la vigueur, l'amour pour cet homme. L'amour pour cet homme. Toute personne qui est venue pour vous séparer, je remets l'amour dans ton cœur, toi-même. Tu connais ce qu'il aime. Je déclare que tu vas préparer son repas préféré aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois la force. Je remets les finances dans votre foyer. Il y a des foyers où vous avez beaucoup de problèmes à cause des finances. Et vous savez que quand il n'y a pas l'argent, là, c'est chaud parfois. Je rebâtis cette tête de prière dans votre cœur. Dans votre cœur. Vous reprenez la vigueur pour intercéder pour votre mari. Au nom de Jésus. Si vous avez votre soeur ou bien que, prononcez son nom aussi. Que restaurez son foyer. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Je restaure la vigueur pour prier pour votre mari. Les hôtels familiaux qui sont en train de vouloir réclamer votre mari, je déclare que vous le sortez de là au nom de Jésus. Vous le sortez de là, vous le sortez des griffes de sa famille au nom puissant de Jésus. Tout beau-père ou toute belle-mère qui ne veut pas que votre mari ou votre femme avance, les projets que vous avez ensemble dans votre foyer, c'est des projets qui savent que ça va sortir votre mari de la pauvreté. Ils ne veulent pas. Alors que ce sont leurs frères. C'est le frère de votre mari. C'est le père de votre mari. Mais ils ne veulent pas que l'homme l'avance. Je viens couper toute liaison familiale maléfique. Toute emprise qu'ils ont sur votre mari. Ils vont qu'à chaque fois, votre mari ne peut pas tout leur dire. Et dès qu'il dit comme ça, là, pape, ils attaquent vos plans. Je détruis ces hôtels familiaux maléfiques. Qui détruisent votre mari. Je déclare que votre mari est restauré. Il y en a parmi vous, vos maris ne savent pas de prendre une décision. Vous êtes déjà fatigué de parler. Toute personne dans la famille de votre mari qui l'a affaibli, ou la famille de votre femme. Dès que vous vivez ensemble, c'est votre mari. Hein? Toute personne qui est venue vider ses finances pour qu'il ne vienne pas vous doter. Je déclare que ses finances sont restaurées. Son argent est restauré. Son argent est restauré. Il a perdu son boulot. Je déclare qu'il trouve un boulot ce mois de juin. Vous devez faire une offrande pour le boulot de votre mari. Que votre mari reprenne, cherche un, qu'il trouve un boulot. Faites une offrande. Je n'ai même pas mis les numéros ici. Faites une offrande. Faites une offrande. Le Seigneur met ça. Je ne sais pas pourquoi les familles sont tellement attaquées. Le Orange Money, c'est le 693 50 22 66. Écoutez, ne simplifiez pas les prières qu'on est en train de faire.
Il y en a parmi vous, vous devez faire une offrande pour sceller ce que vous venez de dire sur votre mari. Tout hôtel qu'on a bâti pour mettre votre mari à terre, nous venons écraser et détruire ces hôtels. Voilà, j'ai mis les numéros pour les dons. Avant de lancer ton argent, déclare que tout hôtel, parce que quand les gens partent chez les marabouts, ils mettent l'argent en jeu. Et ce qui affaiblit souvent vos prières, c'est que vous priez, vous finissez, vous laissez comme ça. Et comme tu as fait comme ça, là, si tu peux aujourd'hui jeûner, à la fin de la journée, tu vas aussi offrir le lait Nido, le riz, tu peux acheter même 2 kilos de riz, tu donnes à deux personnes. Le lait Nido, les sachets de lait. Et le sucre aussi. Tu peux prendre un paquet de sucre ou deux paquets de sucre. Ça dépend de vos finances. Je vous dis un paquet, on s'en a là, pourquoi vous ne simplifiez pas? Parce que j'ai des gens souvent qui font des prières. Dis que non, j'attendais d'avoir 20 000 ou 50 000 pour faire. Peu importe ce qu'il y a dans ta poche, fais avec ça aujourd'hui. Le lait Nido, le riz, sucre, bonbons, biscuits. Tu peux acheter tout ça là avec même 2000 ou 3000. En donnant le sucre aux gens, tu dis, Seigneur, restaure le goût dans mon foyer. Restaure le goût. Peu importe là où mon mari ou ma femme était parti, je t'appelle, que tu reviens. Parfois, vous êtes dans la même maison, mais vous ne vous entendez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes à distance. Comme je sème ceci, je viens saccager, détruire tout hôtel maléfique qui a été mis contre mon mari et moi. Parfois, c'est quand tu te maries que tous tes problèmes commencent. Tu es bloqué. Depuis que tu es marié, ta vie n'avance pas. Et n'attendez pas que ce soit de vos parents qui partent faire le travail pour vous. Vous êtes assez grand. Vous sortez 500 francs de votre poche. Que voilà mon hôtel que je construis. J'appelle mon futur mari. J'appelle mon futur ceci. Et le cas que mon mari trouve le travail. J'appelle notre enfant. Plus de fausses couches dans ce foyer. Je déclare que vous n'aurez plus jamais de fausses couches dans votre foyer au nom puissant de Jésus. Je viens restaurer la flamme dans votre maison. J'enlève la maladie qu'on avait lancée sur vous ou sur votre mari. Par ces offrandes que vous faites, je viens restaurer la promotion au boulot pour votre mari. Que l'entreprise qu'il a depuis peur de lancer. Je déclare qu'aujourd'hui, il rentre et te dit, chérie, voilà les papiers de l'entreprise. Au nom puissant de Jésus. En fonction du niveau de votre mari, certains d'entre vous m'écoutez, votre mari touche dans les 20 millions le mois. Je déclare que le prochain niveau que votre mari attendait depuis, les gros contrats de 100 millions là, pendant que vous, sa femme, vous êtes en train d'intercéder pour lui, vous êtes en train d'intercéder, je déclare que ces personnes le contactent aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Quand vous libérez votre offrande, je déclare que ça vient sceller ces nouveaux contrats, au nom puissant de Jésus. La maison que vous avez commencé depuis, vous n'arrivez pas à finir. Mettez l'offrande pour la maison là. Mettez l'offrande pour finir ce chantier. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens bénir toutes les offrandes qui sont faites actuellement. Papa Yahweh, que toute personne qui va donner en ayant écouté cette prière, peu importe le jour, l'heure et l'endroit sur la terre, Dieu d'amour, tu m'as appelé pour délivrer tes enfants. Je restaure leur foyer. Les personnes qu'on est venues vous doter, on a fui, on est parti. Je déclare que ces personnes reviennent à la charge. Je déclare que vos... La honte qu'on peut aussi mettre souvent sur toi, c'est que
Dès qu'un homme s'intéresse à toi, la pauvreté commence dans sa vie. Oh! Si l'homme avait, il t'aurait déjà doté. Si l'homme avait, parce que depuis qu'il s'est engagé avec toi, comme ça, là, c'est tout son argent est parti. Construisez un hôtel. Ne blaguez pas, hein. Toute honte qu'on a versée sur ton mari, qu'on a mis sur l'homme avec qui tu es là, qui fait qu'il n'est même pas en mesure de t'offrir quelque chose. Je viens enlever maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens enlever au nom puissant de Jésus. L'autel, c'est un engagement que tu fais. Voilà comment on construit l'autel contre toi souvent. La personne part chez le marabout. Je veux que la femme, je ne veux pas qu'on lui donne le visa. Voilà. Son mari est en train de faire un nouveau chantier. Je veux que son agent soit bloqué. Ok. Ah bon, d'accord. Madame, apportez 50 000. Vous apportez une chèvre. Et vous venez vous-même. Vous écrivez sur le papier ici. Prenez maintenant le papier. Parlez sur le papier ici 5 fois. Vous brûlez. Ou bien prenez la pause ici. Vous arrivez devant la maison, vous versez. Maintenant, prenez, vous parlez. Dis, moi, je bloque telle personne. Je déclare que ton argent ne va pas avancer. Dis ça 3 fois. La personne dit, ta. Lance l'argent ici au sol. Elle dit. Après, prend l'argent et lance au sol. Elle est en train de construire un hôtel. C'est un accord, c'est un pacte, c'est une alliance. Ou une requête qui a été faite sur ta tête. Pour te détruire ou pour te construire. Toi, tu es fait à part pour te construire. Les caractéristiques de l'hôtel, c'est qu'il y a une demande claire qui est faite. Spécifique. Parce que c'est souvent vague. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il aide quoi? Spécifique. Seigneur, l'argent, c'est que j'envoie. Je viens sceller le boulot de mon mari. Je déclare qu'il lance son entreprise ce mois de juin. Le magasin qu'on cherche depuis, on ne trouve pas là. On va trouver ça ce mois au nom puissant de Jésus. Je déclare l'ouverture officielle et solennelle de notre magasin à Yaoundé, Bafoussam, Kribi. Ce mois au nom de Jésus. Tu viens maintenant, tu déposes l'argent. Tu as fait une demande spécifique. Tu as envoyé de l'argent. Voilà un hôtel que tu es en train de bâtir. Tu comprends maintenant. Et un hôtel, c'est quelque chose qui vous sera toujours là. Vous ne voyez pas physiquement. Il y en a quand vous partez chez ces gens-là, vous apportez la photo, on prend la photo, on dépose ça quelque part. Ce qui fait que chaque matin, quand ils partent pour alimenter ces hôtels-là, ils parlent que tout endroit, toute personne ou toute prière qu'on a mis ici, là, on vient réactiver cette prière. Maintenant, toi, quand tu fais et tu parles, cette chose-là est en suspens. Ça va rester pendant des siècles en suspens. C'est quoi? C'est que tu ne peux pas voir physiquement, mais spirituellement, c'est là. Et généralement, on détruit un hôtel avec une autre alliance. C'est pour ça que je dis que si on vous a bloqué avec l'argent, vous venez seulement parler, après vous dites « Amen ». Vous vous trompez. Vous vous trompez. Il y a des hôtels qu'on a construits contre vous. On est parti prendre la chèvre, on est venu mettre. On a pris un animal, on a tué l'animal, on a parlé que la fille n'a pas avancé. C'était notre vous, on a tué le bœuf. Donc, en fait, si ce n'est pas petite affaire, et c'est que quand on commence à vous parler d'argent, vous commencez à dire écoutez, si on vous a bloqué avec l'argent, mais vous n'allez pas blaguer. Vous allez vous débloquer avec l'argent. Et vous dites moi, oh, vous avez que l'image pour moi, mais moi, suivez-vous. Tu vas entendre ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Il y a les montants souvent que Dieu va te dire, tu vas dire hi. C'est quelque chose qui doit sortir de ton cœur. Ça va te coûter. Ça va te coûter. Chilotagne, écris-moi surtout, je te donne mon nom complet. Je peux te donner pour mon chauffeur. Okay? C'est lui qui il est plus facile d'aller chercher pour lui.
Donc, son nom complet, si tu as de quoi noter, ou bien tu écris le message. Si tu as de quoi noter, tu me dis oui, je te donne l'orthographe de son nom. Votre problème, en fait, c'est que vous attendez toujours que 5 oiseaux passent dans le ciel. Et que les 5 oiseaux chantent en disant « Alléluia » avant que ce soit un signe pour vous. Ok, tu as de quoi noter. C'est AB Solo. A-B-E-S-S-O. Non. AB Solo. S-S-O-L-O. AB Solo, avec deux S. Ça, c'est le nom de famille. Le prénom, c'est Charles, avec S. Bronson. B-R-O-N-S-O-N. Voilà, tu prends un des numéros là, tu mets ça comme numéro et tu envoies dans la vie de doigts là. AB Solo, nom de famille, prénom, Charles avec S, Bronson. Vous n'avez pas besoin, écoutez, tout ce que vous doutez trop de Dieu. Dieu vous parle déjà dans votre cœur. Souvent, on prie comme ça là. Tu as une idée qui te vient que oui, ma belle-mère, un jour, écoutez, Dieu va vous souffler ces choses. Il va vous souffler. Souvent, tu as raison, ça, depuis deux jours, le Saint-Esprit te dit, va faire un don dans l'orphelinat. Si. Je dis, ah. Va faire le don dans l'orphelinat, là. Le truc, c'est que vous n'écoutez pas l'Esprit. Je parle comme ça, là, depuis deux jours, l'Esprit te disait, il faut que tu fasses un don. Peut-être, certains d'entre vous, l'Esprit te dit, fais un don à la reine Jocelyne. Pour telle chose. Tu ne fais pas. Deux jours plus tard, tu tombes sur le direct. J'ai dit, fais les dons pour faire les hôtels contre tel jour, telle chose. Je parlais un jour avec une de mes filles. Et le Saint-Esprit me met à cœur, dis-lui qu'il faut qu'elle fasse un bœuf. Qu'elle tue le bœuf pour la restauration de la vie de ses enfants et pour elle-même. Je dis, ah, Saint-Esprit. Je lui dis, elle dit, maman, depuis deux jours, Dieu ne fait que me mettre ça à cœur. Je dis, depuis deux jours, Dieu me met à cœur ça jusqu'à. Et c'est une femme que son beau-père, le père de son mari, c'est un il pratique jusqu'à. Et l'homme l'avait déjà juré qu'elle et ses enfants ne vont pas avancer. Ne compliquez pas, le Saint-Esprit n'est pas compliqué. Souvent, parfois, tu es en train d'écouter un direct comme ça là. Je parle d'un truc vaguement. Ça te frappe au cœur. L'Esprit te dit, fais ça. Fais. Après, tu dis, ah. Écoutez, n'attendez pas toujours qu'un prophète vous arrête dans la rue pour dire, ah, je vois sur toi. Arrêtez ça. Arrêtez. Apprenez à écouter l'Esprit. Apprenez à écouter l'Esprit. Souvent, tu te lèves à 5 heures, tu ouvres les yeux. L'Esprit te dit, paie ta dîme avant de sortir de la maison. Paie ta dîme. Et quand Dieu te dit quelque chose, ne crois pas que c'est parce qu'il t'a dit que les choses vont être faciles. Il peut dire, tu te lèves, tu tombes du lit, tu te casses le pied. Tu veux prendre le téléphone pour faire la dîme. Tu tombes sur TikTok. Après, tu veux... Après... Certains jours, tu entends ce que Dieu t'a dit. Ça devient la bataille maintenant seulement pour faire la chose. J'ai une là, un jour, elle a eu presque 2-3 000 euros en l'air. Parce qu'elle se lève, elle veut payer sa dîme. Elle envoie par Western Union. Ça bloque. Elle envoie par MoneyGram. MoneyGram fait l'erreur sur quelque chose. Après, finalement, elle dit que le troisième là, ça m'a dit que vraiment... Toute une journée, c'est à 16 heures qu'elle a fini par envoyer son argent. Jusqu'à ça arriver dans ma main. Bonjour la reine Olivia. Donc ne blaguez pas. La fête, là, c'est pas blague. Je viens bénir les offrandes que vous avez faites et que vous êtes en train de faire.
Je déclare que le Seigneur vous montre la voie. Que toute épée, toute épine qui avait été mise dans le cœur de votre mari, dans votre cœur, tout malentendu soit résolu au nom puissant de Jésus. Je déclare que le désir de votre cœur, parfois tu es séparé de ton mari comme ça, c'est toi-même qui as causé. C'est toi-même. Que le Seigneur adoucisse ton cœur au nom de Jésus. Je déclare que tout feu qui était dans ton cœur, qui faisait que parfois on lance le jas de mauvais sort, que dès que tu le vois, dès que tu entends sa voix comme ça, là, c'est comme si toute inimitié qui avait été mise entre toi et ton mari, par cette offrande, je viens lever. Seigneur, adoucis le cœur de tes enfants. La Bible dit que tu détiens le cœur des rois dans ta main. Papa, adoucis le cœur de tes enfants. Toute personne qui parlait, toute séparation dans ton chilotagne, toute personne qui est venue mettre la zizanie dans ton foyer, je déclare, par cette offrande que tu viens de faire, la restauration au nom puissant de Jésus. La restauration au nom puissant de Jésus. Nous enlevons toute racine maléfique. Nous rebaptisons les fondations de vos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je déclare que vos maris trouvent le boulot. Je déclare que toute femme qui est derrière votre mari ne veut pas le laisser respirer. Je déclare que ces femmes-là le laissent partir au nom de Jésus. Tout piège dans lequel votre mari s'est retrouvé, je déclare qu'il en sort au nom de Jésus. Je vous ai donné les détails pour faire les offrandes. Si c'est PayPal, il y a PayPal. Le PayPal, c'est Aurélie Michel. Aurélie avec E. Michel avec deux L E. Donc AURELIEMICHELLE2017@gmail.com. Le numéro Orange Money, c'est le 698-367-221. 698-367-221. Et MTN, c'est le 680-71-0701. 680-71-0701. Ceux qui sont au Gabon, Airtel Money, c'est le 0747-39-179. Et le nom, c'est Jean-Déric au Gabon. Au Cameroun, le nom, c'est Joséline. Nous venons briser tous les envoûtements. Nous désenvoûtons maintenant vos foyers, vos maris. Tout animal maléfique qui est dans votre maison, dans votre chambre, en bas de votre lit, dans votre matelas, que ce soit les cafards, que ce soit les souris maléfiques, nous commandons qu'ils sortent au nom puissant de Jésus. Je déclare le feu du Saint-Esprit dans votre foyer. Le feu du Saint-Esprit dans votre foyer. Le feu du Saint-Esprit dans votre foyer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare pour celles qui ont déjà trouvé leur mari. Je déclare qu'on ne les laissez pas partir. Quel que soit ce qu'on a construit pour mettre les problèmes entre vous deux, vous ne laissez pas partir ces hommes au nom puissant de Jésus. Tout problème que vous avez eu ces derniers jours, je viens anéantir ces problèmes, j'écrase ces problèmes au nom de Jésus. Toute incompréhension, je déclare que vous asseyez, vous vous expliquez au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout orgueil dans votre foyer, pride, tout orgueil qui a été semé dans votre maison, je ne peux pas laisser ça, je nettoie vos cœurs, je nettoie les cœurs de vos maris, au nom de Jésus Christ, amen. Donc je vous ai donné les numéros, Orange Money, il y a deux numéros, 693-50-22-66. 693-50-22-66. Même à partir de la France, bref, envoyé par Orange, ça va passer. Le deuxième numéro Orange, c'est le 698-367-221. 698-367-221. MTN, 680-71-0701. C'est le 237. 680-71-0701. Et le Gabon, c'est le... Le Gabon... zéro sept quarante et un trente neuf cent soixante dix neuf
pardon, 0747. 0747 39 179. OM 698 367 221. Seigneur, je viens bénir toutes les offrandes qui sont ici données. Je bénis toutes les offrandes qui sont données ici, Seigneur. Quelle que soit la somme, Seigneur. Je déclare que cette personne ne se décourage pas en se disant que son argent est petit. Je déclare que cette personne ne se décourage pas en disant que son argent est petit. Au nom de Jésus. Je viens écraser tout lionceau dans vos vies. Toute troisième personne qui est venue dans votre foyer pour vous séparer de votre mari. Et aussi la restauration. Voilà la rentrée. Il y a beaucoup de mères, il faudra qu'on fasse des prières pour la rentrée de vos enfants. Que vous choisissez les bonnes écoles, qu'ils fassent les bons stages, qu'ils aient les bons concours. Au nom de Jésus-Christ, je viens sceller cette prière par le sang de Jésus. Je déclare que tous les foyers qui ont été restaurés ici sont désormais restaurés. Je viens fermer toute porte d'entrée par laquelle l'ennemi va vouloir revenir. Je déclare qu'aucun esprit ne va revenir avec sept autres esprits dans votre foyer. Je déclare que votre maison est remplie du Saint-Esprit. Je déclare que votre vie de prière est relancée au nom de Jésus. Je déclare que vous ne vous découragez pas au nom de Jésus. Amen. Nous recevons la restauration de ton foyer, Gilles Otagne. Toute troisième personne de ton foyer est enlevée au nom de Jésus. Amen. Nous restaurons tes enfants. Laurentine, Rita, Mekonso. Tes enfants sont restaurés au nom de Jésus. Larissa, Carole, nous déclarons que tu reçois l'accord pour pouvoir construire ton hôtel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous mettons la santé sur vos maris. Sur vos femmes. Sur vos enfants. Nous déclarons que le Seigneur se rappelle de vos offrandes, que le Seigneur se rappelle de vos dons, de vos aumônes, tout orphelinat auquel vous avez donné, toute famille que vous avez aidée. Le Seigneur se rappelle de cela
Et ça revient à lui comme un parfum de bonne odeur. Tout don que vous avez fait, nous déclarons que le Seigneur se rappelle de vous, au nom de Jésus. ABC Beauty, tes projets s'accomplissent. Ton futur mari te localise. Nous déclarons la restauration et la protection de tes enfants, Edwige. Nous scellons cette prière par le sang de Jésus. Nous déclarons trois fois le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous venons mettre le sceau de l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Sandra Hope, je viens de dire cela. Dieu va te mettre à cœur. Tu dois d'abord commencer par ce que tu as. Parce que te vois, tu es une personne que tu ne donnes même pas généralement. Quand tu ne fais pas de don, tes choses sont beaucoup bloquées. Don, sacrifice, tout ça, ça marche ensemble. Parce que tu vas toujours vouloir dire que non, je dois d'abord avoir la confirmation. Ce que tu entends, la fait d'abord. Ce que tu entends, fait. Donc, je veux voir, je veux le sacrifice qui est l'ultime. Non. Parce que tu peux avoir même 50, c'est même au 50e sacrifice que tu vas avoir ta PC. Donc fais seulement, fais ce que tu... Ok, je connais deux choses, je fais les deux. Je connais trois, je fais les trois. Yapé Télé, j'espère que tu as fait, j'ai bien dit, quand vous allez faire les dons à ces numéros-là, spécifiez votre prière. Et puis, vous envoyez aussi en inbox vos sujets de prière. J'ai déjà des personnes qui sont en train de, on est en train de prendre déjà la relève pour les prières. Parce que beaucoup d'entre vous avez besoin de prière, beaucoup. Il y a un numéro dans le groupe de prière qu'on a, vous avez, il y a un numéro dans lequel vous envoyez souvent les sujets de prière. Donc, écrivez-vous, dites que vous voulez être mis dans le groupe de prière. De là-bas, on va vous mettre le numéro sur lequel vous envoyez les requêtes de prière. Et moi, je vous dis encore, ne demandez pas seulement les prières et vous ne faites aucun don, vous ne faites rien. Je vous dis toujours, allez faire les offres, allez faire le salaka, allez donner. Ce n'est pas seulement dire que vous priez pour moi, tu te couches, tu dors. C'est tout un travail, c'est un travail. Voilà. Jeanne, comme tu peux, ne fais pas ça. On te met dans le groupe. Je vais donner les sous là-bas, le truc pour envoyer les sous pour les dons. Si vous avez les dons que vous voulez faire, c'est les offrandes. Et en envoyant, tu nommes, tu parles sur ça. De tout ce que vous êtes pour, vous voulez la paresse spirituelle. Et quand tu... Je vous apprends beaucoup à prier parce que je ne veux pas que tu croies que ta vie dépend de quelqu'un d'autre. Genre, si elle ne prie pas pour moi, si elle ne prie pas pour moi, vraiment, non. Voilà. Ok. Donc, il y aura la prière à midi. Ceux qui sont dans le groupe, là, il y aura un lien qu'on va vous envoyer. Midi, 18h. Donc, moi, je prends le matin. Midi, 18h, il y a les gens qui prennent les poux, qui prendront. On fait plusieurs heures comme ça en fonction de vos emplois de temps. Vous pouvez quand même intégrer une prière. Soyez fortifiés. Vous avez suivi, non? Soyez fortifiés. Aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Je déclare que ce que vous avez donné aujourd'hui, ce que vous avez dit comme prière, les anges prennent cela
et il l'amène au ciel. Et vous avez votre réponse aujourd'hui, votre réponse immédiate. Vous allez revenir avec votre témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Passez une bonne journée. Fabiola, je sais que Zoom, c'est Fabie Love. Je sais que Zoom dérange. Apprends à utiliser Zoom. Bonjour Hermine. Apprends à utiliser Zoom. Va sur YouTube, tu tapes. Comment utiliser Zoom? Bonjour la reine, reine Ngeke. Je suis en train de passer chacune des personnes qui gèrent les prières. Je suis en train de leur donner des téléphones pour qu'ils puissent, pendant les heures de prière, qu'ils puissent se connecter sur plusieurs plateformes. Envoyez le message et inbox, on vous envoie le lien. Il y a une méditation ce soir, n'oubliez pas, à 21h. Dans la première séance qui sera aujourd'hui, elle sera gratuite. Après, méditation et prière, c'est différent. Donc, pour le groupe de prière, il y a beaucoup de séances de prière. Maintenant, pour la méditation, vous allez découvrir ce qu'on va faire ce soir, la méditation. Et puis, il y a aussi le groupe de business. Ceux qui veulent, les entrepreneurs qui veulent lancer leur business, tu veux créer un business. Ce groupe-là, je l'ai mis spécialement à 10 000 francs le mois. Ceux qui veulent lancer une activité. Donc, je ne veux dans ce groupe que les personnes qui ont déjà lancé ou qui veulent créer quelque chose pour eux-mêmes. Je veux pouvoir vous solidifier dans ce sens-là. Donc, il y a le groupe de prière gratuit. Il y a le groupe de méditation. Méditation, c'est 15 000 francs le mois. Il y a le groupe maintenant pour le business. Si tu veux lancer une activité, je mets à 10 000 parce que c'est qu'il y en a parmi vous, vous allez lancer un commerce avec le fonds de commerce de 15 000 ou 20 000 ou 30 000. Je veux que vous appreniez à gérer les finances, toutes ces choses-là. Donc, méditation, c'est 15 000 francs le mois. Après la séance gratuite que je vais faire ce soir. Pour la méditation, ceux qui connaissent la méditation, vous savez que 15 000, c'est rien du tout. 25 euros, c'est rien. Et puis, il y a le groupe de business. Le groupe de business, c'est 10 000 francs le mois. Mais pour ça, il faut que tu sois prête. Oh, je suis bénie. Vous devez être prêt à lancer une activité. Peu importe, vous devez lancer quelque chose. Tu es dans n'importe quel pays où tu dois faire quelque chose qui te donne l'argent. 10 000 francs, c'est 15 euros le mois. C'est rien du tout. Donc, je vais vous montrer que vous allez partir avec un fonds de commerce de 20 000. Tu peux construire une entreprise. Ce n'est pas l'argent qui te manque. C'est ça. C'est la vision, la discipline. Donc, je suis en train de faire maintenant les communautés qui vont vous permettre de vous maintenir. Envoyez les messages sur WhatsApp ou bien Facebook. Je bénis vos offrandes, je bénis vos dons, je bénis vos dîmes. Je bénis aussi la fidélité que vous êtes en train de développer en payant vos dîmes au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous ne faiblissez pas. J'enlève les peurs sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous passez une bonne journée.